Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc en fait je vous cherchais un mode pour vous montrer, je voulais tester un nouveau personnage, des nouvelles armes, des trucs comme ça. Et je suis tombé sur un mode menu. En fait je suis un très grand fan depuis 2014. J'ai commencé à jouer à GTA depuis 2014. Donc j'étais très jeune. Et depuis sûrement mes 10 ans, j'adorais les modeurs et leur mode menu. Et j'ai toujours rêvé d'être modeur. Genre j'ai kiffé, j'avais des potes modeurs, je parlais tout le temps en modeur, j'adorais les modeurs. Et justement, là les gars, si j'appuie sur F8, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est pas beau ça? On a un petit mode menu, plutôt pas mal. Hein. Donc je vais le lancer dans une autre partie, donc on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc j'ai refait une sauvegarde pour qu'on teste un petit peu tout ça. Donc depuis que je suis petit, depuis au moins 10 ans, je suis fasciné par les modeurs. D'ailleurs sur mon ancienne chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos où je rencontre des modeurs, où je filme des modeurs, où je parle sur des modeurs. J'adorais les modeurs. Donc aujourd'hui, on va faire un truc de malade, les gars. Si j'appuie sur F8, qu'est-ce qui se passe? Attention. Et voilà. On a un mode menu. Donc menu, je crois. Ça va être un mode menu connu. Donc je sais qu'il en existe plusieurs. Je vais peut-être en tester des autres plus tard. Mais pour l'instant, on va essayer celui-là. Donc je me suis remis à zéro. J'ai fait une nouvelle partie pour qu'on voit bien tout ce qui spawn. Donc on va commencer par les paramètres. Donc qu'est-ce que c'est un petit peu tout ça? Ça a l'air d'être les paramètres de mode menu, je pense. Halloween. Ah d'accord. C'est cool. Vraiment cool. Halloween, c'est vraiment cool. Hein. Ensuite, menu couleur. Donc ça, ça sert un peu à rien, quoi. Donc si je comprends bien, tout ça, c'est un peu pour... ouais, ok. Ça, c'est juste le menu. Donc maintenant on va rentrer dans le jeu, donc les musiques, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses. Map mode, c'est ancien, non mais dis pas que je peux me téléporter déjà, je pense pas. Ah non c'est pour faire spawn des une rampe au Mont Chiliade, oh. Ah téléporte et chargé, donc là on est la mini rampe à l'aéroport, donc on va tester, on va se téléporter, on va la charger. Ah ouais, elle est vraiment là, regardez. Il y a vraiment une mini-rampe. Donc là, on va essayer de porter un gars. Un garage, ouais. Ah, je l'ai pas chargé. Je l'ai pas chargé. Je suis con. Voilà, on va le charger, on va se téléporter. Ah bah non. Ads, on va mettre la rampe, on va se téléporter. Alors, c'est hyper stylé. Hein. Oh là là, c'est ça la vie de modeur. C'est un truc de malade. Je suis trop heureux. Oh, elle est là. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Ah. Il y a un hélicoptère, donc je vais me dépêcher. Je suis où là? Pratique pour semer les flics. Hein. Wouah. C'est quoi ça? C'est comme ça que les modeurs font en fait. Ils créent rien du tout les modeurs. Putain, vision, axe. Ok, donc ça je pense que je vois un peu ce que c'est. On va essayer quand même. Wouah. La vision de nuit. Oh, oh ça c'est bien. Oh, je vais tout le temps jouer avec ça. Ah, c'est trop bien. Je suis vraiment heureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ok, donc religion. Donc j'ai eu un petit problème. Vous voyez, je me suis téléporté sur un ovni. Tout essayer parce que... Je crois que j'ai craché, je suis pas sûr. Donc on va faire spawn une vache. Joe, pardon. C'est hyper cool. Simeon, putain de merde. C'est vraiment cool, hein. Ah, oh, je kiffe. Tais-toi. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Toggles player. Wouah! C'est trop bien. Ok. Ah, c'est hyper cool, hein. Parce que moi, quand j'étais petit, je passais des journées vraiment devant la télé pour tout voir. J'irai voir ce que c'est pour jouer un petit peu tout seul. Donc, le mode massacre. Oh, wow. What? Oh, j'ai eu peur. Attends, je refais. Oh, ok, ça arrête pas d'exploser. Ok. Désolé. Ça, c'est les feux d'artifice. What? Oh. C'est da. Ok. J'ai coupé. Tout le monde saute autour de toi, c'est ça? Oh. C'est trop bien, c'est quoi? Oh non. Me dis pas qu'il va avoir un truc à la fin, là. Quand la musique, elle va éclater. Ah non. Ok. C'est ça, en fait, hein. Ok. C'est trop bien.
On a la musique, c'est trop bien. Oh, oh, ok, c'est ça. Il tombe des gens. Oh non, la pluie de météores. Je suis con si j'ai fait ça là. Waouh. Je mets pas longtemps. On peut mettre de l'argent là. Attends, Siméon, tais-toi. Genre là, je crois pas. 30... Là j'ai 36 000 dollars, ok. Combien j'ai fait de kills? Combien je suis mort de fois? Qu'est-ce que c'est que danser, je crois? Ah, ou pour se téléporter, je sais pas. Ah non, les propriétés! Pour se... Ok, se choisir des propriétés. Ouais, d'accord. Je vais juste voir un truc, comment on voit l'argent qu'on a. Oh, j'ai 36 000 dollars, ok. Ok. On va changer ou pas? Excuse-moi. Oh là là, c'est trop stylé. Ah, je vais aller sur ma session parce que Simeon il arrête pas de m'appeler, ça me fait chier. Session, mais du coup le problème c'est qu'on va pas voir les armes droppées, ça c'est un peu... Il n'y en a pas animal. C'est... Non, j'y crois pas. Oh, ok, oh là là, c'est trop d'art. Non, c'est mon rêve. Hein. Le terme est bien, c'est mon rêve. Et moi en fait, je veux juste des mecs assez drôles. Il n'y a pas des... Je sais pas. Oh. Oh, stylé. Ok. J'ai les tenues. Okay. Donc ça, quand j'installerai des mods, ce sera plutôt bien. La tête, on peut choisir le corps. Oh, ça, c'est un bug, je crois. Ah non, c'est un mec cagoulé, je crois. Ok. On peut tout changer, regardez. Oh, c'est bien, on peut faire des combinaisons de tenues, différentes tenues. Qu'est-ce que c'est bien! Ok. Regardez les... Waouh, c'est tellement détaillé, chaque personnage. Ok, franchement c'est bien. Ça c'est drôle. Voilà, j'étais obligé. Comment ça, burning? Ah, je croyais que j'allais bouler. Voilà, ça j'étais obligé un peu. Hein. Oh, vous l'avez vu. Putain, c'était mon rêve. Je suis trop content. Je peux pas conduire. Hein. Je sais pas, je pense qu'on peut... scénario action, qu'est-ce que c'est? Ok, donc ça c'est pour faire... Oh, c'est vrai? Oh. C'est trop bien. Il faut que je vais en mode en ligne avec ça, c'est pas possible. Mais je comprends tous les modeurs en fait. Il y a tellement de fois, j'ai rêvé, je vous promets que j'en rêvais. Ok, ici. Tennis player. Ok. Ah. Il y a un petit bug avec mon masque. Le barbecue. Oh là là. Ok, oh, on va pouvoir en faire des trucs avec ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des humeurs. Ok. Les styles de mouvement. Ok, donc ça, à mon avis, c'est, je sais très bien pourquoi c'est. On va tester. Exactement. Waouh, stylé. Du joueur. C'est ça? Alien. Force. Je sais pas trop. Ah, c'est des bruits d'alien. Waouh, c'est trop cool. Ça aussi. Je peux me cloner. Ça va être cool. Oh oh. Bonjour. Arrête de me parler. T'es mon moi. On est un ennemi. Oh non, ouais, mais je suis bête aussi. Oh bah, heureusement que je suis en... Vas-y, tu... pas de ragdoll, c'est plutôt cool. Super jeu, super run, super jump. Oh mon dieu, je suis recherché. Et pas du tout. Donc je vais essayer, vite fait. Ok. Hop, je sème mes clones. C'est trop cool. Avec pas de ragdoll en plus. Oh merde, il est tombé. Quelle victime, c'est pas possible. Ok, c'est cool. C'est vraiment cool. Véhicule, donc je vais pas me téléporter dans un véhicule. Ah bah si. Oh, ça c'est bien. Ok, je vais mettre ça. Le reste, on s'en fout un peu. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'installer des mods comme là. Je peux installer un kilomètre heure, tout ça. On va se téléporter ici. Je sais où c'est à peu. Ok, non, je... Ok, je savais pas du tout où c'était. Centre de Vinewood.
Voilà, c'est cool ça. Les magasins, ammunition, le barbier, bon ça, je suis pas obligé de tous vous le dire. Les maisons safe, donc ça c'est ok, donc c'est Franklin, Michael, tout ça. Ça c'est des lieux un peu spéciaux. C'est plein de trucs qu'il y a sous l'eau, c'est des lieux. Comme là c'est le tank sous l'eau. On peut se téléporter à l'avion. Là où il y a le raygun, si je dis pas de conneries. Ah non, c'est le. Ok. Non, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Qui brûle. Waouh. Waouh. On refuse de croire que j'ai le huge. Quoi? C'est trop bien. Halloween. Waouh. Waouh. Ça fait peur. D'accord. Oh, le vent, on peut modifier la vitesse du vent, on peut ajouter de la neige. Oh, incroyable! On peut changer l'heure. Voilà. Objet spawner. Donc on active le mode spawner. Ok. Oh, ça a l'air fou. Oh, ça. On est en no clip. On est clairement en no clip. Donc là, imaginons, on a des joueurs, tout ça. Objet. On a plein d'objets différents. On a des portes. On a des avions. Là, tout ça, c'est un peu. Des objets un peu difficiles à comprendre, on va dire. Ah, on peut très bien faire spawn des personnages, bien sûr. Pourquoi on pourrait pas? Bonjour, messieurs. Oh là là. Et en plus, on voit l'image. C'est pas dingue. Ok. Si je veux, je peux changer ma tenue, c'est ça? Ah, je peux changer les trucs des joueurs. Ouais, je peux aussi changer eux. Par exemple, lui, je sais pas. Je peux lui mettre peu de vie. Regardez. Ah bah voilà, zéro. Je suis vraiment con. La femme, qu'est-ce qu'on va lui faire à cette pauvre femme? Là, on peut la mettre en feu. Ah ouais, mais merde, du coup, ouais. Je peux, à mon avis, lui dropper des armes. Changer la voix, on s'en fout. Le faire exploser, on s'en fout. Le brûler, on s'en fout. C'est vraiment des méchants. On peut le faire, on peut le téléporter. On peut changer sa relation. Ça non plus, je comprends pas trop. Enfin, normalement, je peux dropper de l'argent. C'est ce que je voulais faire, mais je sais pas comment on fait. Ah, si, peut-être. Ah, on peut les copier. Ça, c'est rigolo. Voilà. Ça, c'est pour le fun, hein. En solo. Mais au moins, j'ai pu tester le mode. Donc, du coup, il bouge pas. C'est cool. Regardez. C'est pas bien, je vais vous attirer, mais. J'ai déjà des modes, hein. Vous voyez, normalement, on sent tout ça. J'ai des modes pour tout ça. Lui, j'avais mis quoi? J'avais mis. Ouais, j'avais mis glace. Hein. Je crois qu'ils ont tous glace. Du coup, c'est assez rigolo. Ok. Ah, je l'ai touché là? Ah non. Oh, le chargeur. Quelle classe infinie. Donc, sur ce, les gars, voilà, c'était Adrien. J'ai pu tester un mode menu. Voilà, depuis 2014, depuis mes 10 ans, je crois, j'en rêvais. Et j'ai enfin pu tester un mode menu. Donc j'ai beaucoup m'amusé en solo, les gars. Je vous ai pas tout montré, j'ai fait beaucoup de pauses, j'ai enlevé des trucs qui servaient à rien. Je vous ai juste montré quelques petites réactions par rapport à certaines choses. Même si j'ai pas compris grand-chose, faut l'avouer. Hein. Wow. Ah. Quelle peur. Hein. Et je vous le dis, depuis que je suis petit, je suis fan des modeurs. Pour moi, c'était les seuls qui avaient du respect. Parce que chaque joueur, t'as des gens plus forts, des gens faibles. Mais les modeurs, c'était trop drôle. J'avais pas l'habitude de voir des gens forts par eux-mêmes. Et en fait, c'est pas difficile d'installer un mode menu. Donc si jamais quelqu'un a GTA et voudrait installer des modes menus, n'hésitez pas à me demander conseil. Parce que moi, j'ai galéré, mais j'ai trouvé à peu près comment faire. Ah, sur ce, c'était Adrien. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais continuer à m'amuser tout seul. Je vais essayer de découvrir des trucs. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. Vous inquiétez pas, je vais vous faire beaucoup de vidéos sur GTA avec des modes encore mieux. Je vais d'abord apprendre à les maîtriser, bien sûr. Allez, moi je vous dis, c'était Adrien. Ciao tout le monde. Bye.